Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la fin du début ? Peut-être qu'il y aura une nouvelle histoire plus belle que la première. Tu n'as pas envie que Jeanne soit morte ? Bah non, car c'est dommage qu'elle a eu toute cette haine toutes ces années et qu'elle le retrouve et hop, tout de suite elle meurt. On a pensé que c'est très très triste car ça commençait à être plus beau, plus joli. On voyait qu'elle va être joyeuse, la vieille femme, mais malheureusement, ils disent qu'elle est morte. Mais moi, j'ai toujours un espoir qu'elle est en vie. Moi, j'ai trouvé que la femme du livre, elle était triste, mais la vieille femme, elle a bien fait de mourir. Pour ne plus souffrir,
Ça t'a procuré de la tristesse? Oui. D'accord. Est-ce que tu étais déçue de cette fin? Est-ce que tu étais déçue que Jeanne meure? Oui. Tu t'y attendais pas? Qu'est-ce que tu imaginais comme fin? J'imaginais qu'ils allaient être amis et qu'ils vivraient ensemble. Je pense que l'amitié entre Brice et Jeanne, c'est une bonne amitié. Mais au début de l'histoire, je ne pensais pas qu'ils allaient devenir amis. Pourquoi? Car il pensait du mal de Jeanne, il la traitait d'ortie et qu'il trouvait qu'elle était désagréable. Alors qu'est-ce qui a poussé Louise à devenir amie avec Jeanne? Qu'est-ce qui a poussé Louise? Oui, qu'est-ce qui, à votre avis, pourquoi Louise elle a eu envie de devenir amie avec Jeanne? Parce que Jeanne, elle savait que c'était une personne seule. Qui était toute seule, qui vivait une vie triste et qui avait beaucoup de personnes qui venaient dans son jardin avec des masques, qui lui prenaient dans son jardin des légumes, des fraises, des radis, plein de choses. Que c'était un peu inattendu au début de l'histoire, comme il lui envoyait ses fruits et légumes. Et aussi que Louise voulait être amie avec Jeanne par curiosité. Mm-hmm. Et qu'au début, Jeanne, elle ne voulait pas trop. Mm-hmm.